Non mais vas-y, vas-y, t'inquiète. Bonjour, on se retrouve ici dans un ASMR. Coucou. Je suis pas sûr que ce soit ça. Ça va? Ok, oh là là. Très bien, je te passe mon téléphone pour la photo. Mon téléphone, je suis à... J'ai trop froid pour être joué. Non, mais on s'y fait. Le petit corbeau va sortir. Il y a autre chose qui va sortir. Une dernière, non. Il a dit quoi? Non, rien du tout, il a rien dit. Allez, on y va. Il faut filmer Lio qui court. C'est plus par narcissisme, pour t'admirer, pour dire les filles elles ont beaucoup de chance, c'est bon, je suis bien, tout est en place. Comme ça tu vois. Comme ça on a le raccord d'état parfait, des tatouages que la fille verra tout à l'heure. N'oublie pas que les tatouages sur un grand écran. Oublie pas aussi de faire des mimiques à la caméra, à la glace pardon, tu allais les séduire. Tu fais le coup naturel comme t'as l'habitude. Toi je t'emmerde. Non justement là c'est pas drôle, là c'est vraiment séducteur, Dylan... On dirait qu'il balance de la chirurgienne. C'est ça. Mais merde, on est en train de tourner, merde, Jimmy. C'est moi qui t'ai mis une baston au bras de fer, maintenant. Tu te fais tout petit, s'il te plaît. Fais-toi tout petit. Un jour où j'ai appelé... Fais-toi tout petit. Faites la revanche tout de suite. Bon, je m'en fous que t'as fait des abdos, je sais pas quoi. T'avais dit que t'étais en pleine forme. Maintenant, je veux pas parler avec toi parce que t'es petit. Voilà. Attends, il y avait Emmerich aussi. Arrête tes conneries. Continue à vous engueuler. Non, pas de problème, là. Pas de problème, là. On va se battre. Regarde, il a des abdos. C'est la première fois qu'il... Mais comment tu fais? Bah tu contractes. Putain, bien joué, mec. C'est juste ça. T'as vu, Sacha, il a des abdos. Bon, ah, ça y est, ils sont déjà partis, ça y est. Non, je décontracte. Le ventre. Bah ouais, je veux le voir. Voilà. Je sais pas comment. Ah ouais. C'est par ici que ça se passe. Ah, okay. Ah bon. Exactement. Ok, parfait. On fait juste ça. Et là, on fait quoi? C'est tout le sketch. Ça, ça se coupe là. Parce que dans la vraie version, je me casse la gueule et après je monte, je viens de tomber et tout le monde rigole. Mais ça, c'est cool. Faut pas le refaire parce que si je tombe là, je suis pas sûr de rester en vrai. Ouais, je pense que oui. Ah, quelle vanne incroyable. Merci pour le commentaire. Ouais, mais trop bien. Ok, coupé Jimmy. Ouais, ça me fait rire. Aïe, aïe, aïe. J'ai piqué. S'il restait un seul mec, Mademoiselle. Mademoiselle ou mademoiselle? Mais toi, tu dis prince. Coupé. Okay. On rhabille Elio. Nice. Je rhabille Elio, dites toutes vos répliques au micro. Je regarde Elio avec beaucoup d'insistance. Non, surtout pas ça, me faire virer de YouTube avec toi. Bouge pas parce qu'il y a tes fesses qui dansent pendant que tu bouges. Attends, j'ai d'autres tatouages temporaires, tu peux t'en refaire 5 ans? Je t'emmerde. Bon, tu peux te rhabiller, Didi. Il veut pas se rhabiller, regarde, il reste comme ça. Non, parce que j'aime bien, mais d'accord, comment ça fait. Moteur, ça tourne. Et. J'en ai fait deux. Ah bah non, t'en as montré qu'un. Enfin, on en a vu qu'un en tout cas, vous en avez vu deux? À la limite, comme on les voit pas, comme on les voit pas à la cam. Coupez le A, ok, c'est très drôle. Mais c'est super. Putain, j'ai fait trop pas sûr. Ouais, j'avoue, c'est compliqué. Je préviens, sors pas avec moi. Pourquoi? Tu risquerais d'être déçu. Pourquoi je serais déçu? Parce que mon mec va te tuer. Ah. J'ai besoin de me poser. Ne soucie, je te pose au bord d'une falaise et on attend que le vent se lève. Mais mes parents, ils étaient pas vraiment d'accord. Pourquoi? À cause de l'odeur. C'était un cheval. Non, c'était ma cousine. Tu l'as tuée? Ouais. Elle a pourri 4 jours de ma chambre. C'est comme ça que j'ai eu mon rat. Mais non, toi, t'es... Hey. Là-bas? Bah oui. Hey, ça, c'est pour moi. C'est le coup de foudre, là aussi. C'est gamin. Il va falloir avoir plus que ça, si tu vas voir. Bah, on ira chez moi tous les jours, père. Ouais, mais gamin, je t'explique. Moi, si je viens, c'est tout le temps et quand je veux. Mais y a ma copine, les jours père. Est-ce que tu veux que je t'aille dentiste d'anus ou ça se passe comment? Faut savoir ce que tu veux, gamin. Bah. Alors, tu décides ou quoi? Bah. Ouais, je sais comment. Moi, je veux pas d'un fragile comme partenaire, moi. En fait, qui tienne la route. En fait, Quoi? Tu t'es chié dessus ou quoi? Je me suis vomi dessus! Dans ma bouche! Bah, dégueulasse! Indical cette fois, non, j'ai fait. Ah, c'est un an? C'était lui. Tu as vu ta copine 3 mois, donc tes amis n'existent plus. Donc on refait à cause de Thomas qui a mal fait sa sortie. D'accord. Écoutez-le. Je crois que ma vue se dégrade parce que je vois plus où je suis, mais on va dire que c'est bon. Attention. Thomas se fait soigner le gland. Première! Mais là, je suis couvert comme si j'avais une grippe. Je sortirais comme ça. Oui, dans les pubs pour les grippes, ils ont toujours la même écharpe. C'est perturbant. Tu sais quoi? Ça, c'était une écharpe et un bonnet qui devait représenter le lutin dans Oui Oui.
Si, c'est dans la pub pour l'Elizopane. Il a la même tenue. Ah ouais, aussi. On y va ? C'est lui qui aurait la chaise du coup. Bon, par contre, je vais voir te laisser parce que je dois passer 3 mois avec ma copine. Bon, salut. Je suis finalement allé voir un médecin. Ah bah voilà, tu me fais enfin plaisir. Alors ? Mais il m'a dit que tu me faisais trop de mal, donc du coup, je t'ai bloqué pour plus souffrir. Non mais forcément, si dès qu'on te fait du mal, tu bloques. Oui, désolé, je suis pas encore maso. Ouais, mais enfin... Non mais ok, moi... Bah tu sais quoi, ok, moi aussi je te bloque. Et je sais même pas quand est-ce que je te débloquerai, Ok. Attends, non, mais techniquement, du gland, quand on bloque quelqu'un, c'est pour pas le voir. D'ailleurs, c'est marrant, tu disais que je connaissais pas mon texte, mais il y a un moment où tu as eu soit un temps, soit... Non, j'ai laissé c'était un temps sociétaire. D'accord, un temps sociétaire, oui, ça je connais. Un temps de jeu. Oui, the fucking présentatrice. Ah oui, je voulais It's me. Écris l'histoire. C'est ce que tu voudras entre mes lignes. Elle t'a une araignée, t'as une araignée. J'ai même pas vu. C'est rien ça. Voilà. Ça peut toujours être pratique d'en avoir, si jamais. J'ai pas besoin de le dire ironiquement. Tu peux dire ça ironiquement. J'ai dit ça avec. Tu vas voir ton scotch avant, fils de pute. Mais non, j'ai dit ça normalement en plus. Putain, c'est chaud que je dis un truc, tu vas dire ah, le fils de pute, il est ironique. Je sais pas ce qui t'arrive depuis quelques temps. De quoi, moi, le sarcasme ? C'est une très longue histoire. En général, je suis sarcastique, très souvent. Ouais, mais. Avant, t'étais sympa. En fait, quand les gens ne me connaissent pas, je ne suis pas sarcastique, je vais pas oser faire du sarcasme. Mais je suis quelqu'un de très sarcastique. Mais bah, c'est pas méchant, hein. Si ça gêne, je peux. Bah, j'ai dire couper l'option. Non, mais je suis vraiment. Du sarcasme avec Andreas et Marcel, par exemple, mais pas avec moi. Bref. C'est jamais méchant, de toute façon, je le pense pas. Ceux qui voient mes amis, c'est pas grave. Putain! On y va, on va tourner, on est mature en attendant, on voit des pics. Oh ouais, ah, c'est Marcel! En plus, c'est qui envoie un message? Ah tiens, je suis avec Yann! Putain, la maturité, hein! Et tu y as cru ou pas? Parce que... Non, mais je me suis dit, c'est vraiment une blague de merde! Je vais essayer de pas trocher le texte, je m'excuse d'avance. Mais... Excuse-moi d'avance, on dit pas je m'excuse déjà. Non. Parce qu'on dit pas au final, mais finalement, ça m'insupporte quand je m'en dis ça. Tu m'excuseras, hein, mais j'ai oublié mon texte à ce moment-là précis, putain. Voilà. On reprend tout de suite. Excuse-moi, je sais que je chie un peu dans la colle. On a chié la fin, mais à deux, alors c'est... Tu te rappelles, je t'avais dit, il faut toujours jouer avec un comédien. Ou mieux que toi, parce que tu... En voilà, l'occurrence, c'est qui le moins bon, là avec Ulysse, et du coup, je me suis chié dans la colle comme lui, en fait. Ça, c'est pas bon. Bon, évidemment, faut mettre un t-shirt à colle à mort, si c'est pas obvious. Je vais juste te demander de ne pas me regarder, parce que je suis excessivement pudique, et je me suis... Et c'est pour ça que tu t'es mis à poil chez un mec. Quoi ? Pour un appartement. Et moi, en attendant, j'ai pas le droit de... Hein. Quoi, qu'est-ce que tu as Tout de suite, ça te gêne si moi je regarde comme ça dans le... Oui. C'est bien qu'on la finisse assez rapidement, mais... Bah oui, mais ça dépend de tout. Pas que de moi, hein. Là, mon texte, je le rote bien. Pardon ?